Salut à tous les gars, on se retrouve donc pour cette étape numéro 18 de Jacobru, c'est pas grave. Numéro 18 donc roule derrière. Oui. On va pouvoir entrer. Où il y a une côte pavée. Et franchement, je trouve qu'on peut avoir notre mot à dire clairement. Soit avec un Fabien Cancellara, que j'ai décidé de placer dans l'échappée, mais dont l'échappée n'ira pas au bout. Dont on a un mot à dire. Et franchement, c'est une bonne opportunité d'éviter pour Ryder Heddah. Ah putain, il faut que j'arrête sur des plats comme ça. Attends, en même temps, je vais être obligé de le mettre. Ouf. Voilà, c'est on a un coup à faire, franchement. C'est aujourd'hui où on peut aller chercher une étape, franchement. Si vous regardez bien. Ce serait pas mal d'aller la chercher. Non, ce serait bon pour la confiance de notre ami Ryder Heddah. Hop. Voilà. Nizzolo qui a pu aller chercher le bidon, ça c'est nickel pour Jaco. Fabien, on va le mettre en protection de Ryder. Parce que là, c'est un des seuls qui va pouvoir suivre le rythme de Ryder sur les pavés. Vu que c'est un des. J'ai vu des meilleurs du groupe qui, sur les pavés. Franchement, ce serait bon d'aller chercher une petite victoire. Il est en 0, ça va, il n'est pas en moins 3, il n'est pas en moins. Lundvinson, voilà, on va rentrer sur les pavés, comme vous le voyez, avec une petite côte juste avant. Cancellara qui est bien placé pour amener Heddah sur les pavés. Hein. Fabien Cancellara, vous savez très bien le vainqueur de Paris-Roubaix, nanani, nanana. J'hésite en. On va essayer de faire travailler Cancellara à partir de maintenant. J'ai mis Ryder à 72. C'est pas si mal que ça. On va essayer de s'extirper du peloton si on peut. Voilà, nickel. Voilà, Ryder. Après, je sais pas s'il va pouvoir tenir là, Fabienne, mais tant qu'il tient là, à ce rythme-là, il nous laisse partir en plus. Vu le temps que j'ai sur le maillot rose et vu la côte qui se présente, à mon avis, ils doivent se dire, ouais, le petit Ryder Heddah, il est parti un peu loin. Mais non! Vous allez voir que ça peut être un coup payant. Surtout que le sommet est pas très long. Après, ils sont revenus sur moi. Groupe de 6 est revenu sur moi. Ah putain, Ryder ne coince pas maintenant. Voilà. Ça fait un gros tempo. Kangar qui est là, Nibali qui est là. Ah putain. Tous ceux qu'il faut pas qu'ils soient là, ils sont là. Comme d'habitude. Kangar qui fait un plus gros tempo que moi. À 1,5 km, on attaque. Allez, je me sens fort. Je me sens fort avec Ryder. Je me sens fort, les gars. Ok, Valverde qui peut venir me chercher. Qui va en placer une, Alejandro. Alejandro Valverde qui est parti. Hein. Je me sens fort, mais Alejandro aussi. Hop là. On va se faire dépasser par Vincenzo, mais. Ah, Pozzo aussi qui va venir nous chercher. Si on peut récupérer du temps, ce serait nickel. Voilà, dans la descente, si on pourrait revenir.
51 secondes. Il veut collaborer ou pas à la pause de vidéo? Non, il est en train de récupérer la marrouse, bâtard. Bon. Ah, ça va être chaud d'aller chercher les deux de devant. Bon, Landa qui reviendra pas. On est en train de gagner 32 secondes encore sur Oran. Ouh! Attendez, attendez! Attendez les gars, il est où Jean-Christophe Perrault? Ouh là 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 là! Savoir combien on peut lui reprendre. .304. Oh là là. Ça c'est la bonne affaire du jour. Attendez, on va voir les écarts aussi avec Rafa Maïka. Ouh. Les gars, je crois qu'on est en train de faire la bonne opération du jour. 3-14 sur Mike sur c'est pas sur Maïka, sur Perrault. Et combien sur Maïka? 6-58 les gars, 6-58 sur Rafa Maïka. On est en train de lui reprendre la 5 et 6e place. On est en train de remonter sur la 5e place. Rafa Maïka, 7-29. 7-29 les gars. Les 3, c'est Nibali, Valverde. Et on est en train de reprendre du temps sur Pozzovivo. Ah non, Pozzovivo qui est dans ma roue. Hein. Qui fait que me la lécher là, la roue. Là, j'ai pas envie que ça rentre derrière. Le 5 à qui avec Fabien? Kangert, Sissiou, tout. Fuglsang, voilà. Là, c'est Landa, Roche, Oran. Voilà. Ça, je veux pas que ça rentre. Reprendre du temps sur Oran, reprendre du temps sur Roche. Voilà, et Pozzo qui commence à me relayer. Donc, c'est bon signe. Une 0,5, voilà. Donc, je pense que. Je veux pas jeter les lauriers trop vite, mais on est bien parti pour reprendre la 5e place. Hein. Ce serait déjà un exploit vu dans l'affaire où on était avant cette étape. 6 minutes de retard, je vous ai dit, ouais, les gars, vous allez voir, ça va être compliqué à aller chercher. Et ouais, sauf que je sais que Pozzovivo, il est nul sur les pavés. Il est nul, le Pozzovivo. Il est nul, faut le faire craquer. Faut le faire craquer. Regardez comme il galère. On lâche Pozzovivo. On lâche. Ouais, on a réussi à lâcher Pozzovivo. On va le Valverde qui allait gagner. Hein. Je sentais Ryder bien, mais Valverde était mieux. Ryder qui va aller sprinter pour récupérer le plus de temps possible. Le plus de temps possible. Là, ouais, qui va finir. Ouh, avec une bonne minute d'avance sur. Quand tu verras qu'il va faire un top 10. Ouais, top 10 pour Cancellara. Me jouer. C'est une belle étape pour la Trek. Sur des étapes comme ça, je gère magnifiquement cette année sur le Giro. Parce que là, il fallait les reprendre. Hein. Il fallait faire le trou sur notre ami Rafa Maïka. Oh là là, je pensais pas qu'il allait prendre autant de temps sur une seule étape. Plus de 7 minutes, vous imaginez? Oh là là, c'est énorme. Oh là 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 là. C'est énorme, les gars. J'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas. Oh. On gère. Franchement, on gère. Oh là 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 là. Je m'attendais pas à celle-là. Franchement, entre nous, je m'y attendais pas du tout à avoir autant de temps sur Maïka et Perrault. Je me suis dit, putain, on reprend une minute sur Pozzo en plus. Voilà, une minute sur Pozzo. Deux sur Oran pratiquement. Oh, c'est bien ça. Roche, il a pas repris de temps. Non, il en a même perdu encore. Donc ça c'est bon, c'est ce qu'on voulait les gars, c'est ce qu'on voulait. Bonne stratégie d'équipe.
Vraiment bonne, bonne stratégie. Valverde. Ah, mais j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. J'ai trop passé. J'ai trop passé. En Turuxka. En Nidolo, ça va être compliqué d'aller chercher le maillot rouge. Compliqué, très compliqué. Oui, très compliqué. Movistar. Ah, Valverde remporte la course. Je vais laisser un gros blanc. Donc, suspense général. Oh, abandon de Ruben Plaza. Thomas Jay. Hop là. On est cinquième, les gars. On est cinquième. C'est bonne opération. Bon, on est à 15 minutes de Pozzo, de Valverde. C'est pas, on n'ira pas le chercher. Si on fait ça, on est à 6 minutes de Rigoberto Urán, alors qu'on était à une dizaine avant l'étape. C'est faisable de rattraper, essayer de jouer le podium. Mais après, c'est des grosses étapes de montagne. Je sais qu'un coureur comme Rigoberto Urán, des arrivées comme ça, est plus à l'aise qu'un Heimdall. Surtout sur des arrivées comme ça. Bon, après, vous allez me dire, on a 1 minute d'avance sur Pérou. Maïka, il a dégringolé. On a 3 d'avance sur Roche. Ouais. Ça va être qui tout double. Ça va être soit aller chercher, soit perdre tout. Donc, vous saurez ça dans le prochain épisode. Je vous dis ciao à la prochaine. C'était Axe.